Bonjour à tous, on vous amène aujourd'hui à la découverte de la contemporaine de Nîmes. C'est la triennale de création contemporaine qui s'est ouverte le 5 avril. Cette triennale de création contemporaine vit sa première édition autour du thème « Une nouvelle jeunesse ». Pour en parler, on va retrouver Anna Labouze et Kémy Séni, qui sont les deux directeurs artistiques de cet événement d'ampleur nationale et internationale. Bonjour Anna. Bonjour Mathieu. Alors, avant toute chose, pourquoi ce thème « Une nouvelle jeunesse » ? Avec une nouvelle jeunesse, notre envie, c'était d'adresser les sujets et les préoccupations qui animent la jeunesse actuelle, les nouvelles générations, et puis aussi parler de la transmission intergénérationnelle, que ce soit au sein d'une famille ou bien d'une communauté, ou même au fil des générations, à l'échelle de la grande histoire. Et notre souhait derrière cela, c'était d'imaginer une manifestation artistique qui soit fédératrice, créatrice de liens entre les gens, entre des générations qui peuvent avoir tendance à s'opposer, et puis aussi de proposer une nouvelle triennale dans une ville aux racines millénaires et que l'on puisse découvrir Nîmes sous un jour nouveau. En investissant notamment l'espace public pour être accessible au plus grand nombre, comme ici dans les jardins de la Fontaine avec cette œuvre monumentale, de quoi s'agit-il ? Alors ici, je suis devant une installation monumentale, paysagère, qui a été conçue par deux artistes de générations différentes, Feda Wardak et Tadashi Kawamata, qui ont tous les deux proposé un projet en lien avec la transmission des savoir-faire ancestraux, notamment liés à la gestion et à la conservation de l'eau. La première partie blanche derrière moi, c'est un aqueduc qui a été conçu par le jeune artiste Feda Wardak. Après, dans la deuxième partie, donc l'eau est transmise à l'artiste plus établi, Tadashi Kawamata, qui lui a construit une gouttière aérienne qui vient traverser les jardins de la fontaine jusqu'à ce que l'eau retombe à sa source dans la fontaine. Cette œuvre, c'est l'une de l'exposition phare de la contemporaine, La fleur et la force, qui se déploie aussi sous la forme d'un parcours à travers les différents musées de la ville. Je vous propose de continuer la visite. Très bien. Bonjour Kémy. Bonjour Mathieu. Alors, on est maintenant au musée du Vieux-Nîmes qui héberge, dans le cadre de cette contemporaine, un très grand nom de la peinture. Alors oui, le musée du Vieux-Nîmes est le théâtre d'un face-à-face exceptionnel entre une jeune artiste textile, Jeanne Vissarial, et un monument de la peinture récemment disparu, Pierre Soulages. C'est le principe général de cette exposition, La fleur et la force, que d'associer des jeunes artistes à des figures plus reconnues, établies ou historiques, avec ce principe de binôme intergénérationnel. Ici, Jeanne Vissarial a voulu rendre hommage à Pierre Soulages, qui a été une figure très importante dans son parcours par rapport à la question du noir, par rapport à la possibilité dans l'art d'ouvrir des portes vers d'autres mondes. Le principe ici, c'est du coup d'avoir une installation multisensorielle qui rend hommage à Pierre Soulages et où on voit le commun entre les pratiques des deux artistes, puisque le fil et le sillon laissé par la peinture ont parfois tendance à s'interchanger, à correspondre, et on ne sait plus vraiment qui est qui et qui a fait quoi dans cette installation, et c'est ça finalement qui est assez merveilleux. Un projet qui a pu être mené à bien avec la participation de jeunes du lycée Hemingway, parce que de manière générale, depuis des mois, beaucoup de Nîmois sont impliqués dans cette contemporaine. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle la double chaîne de transmission, c'est que l'exposition se construit autour de ces binômes intergénérationnels d'artistes et aussi avec la participation de groupes d'habitantes et d'habitants de Nîmes. Cela peut être une école, une association, école supérieure, donc il y a plein de structures qui ont été associées. Au total, ce sont plus de 500 Nîmoises et Nîmois qui ont directement participé à la création des œuvres. Alors, les Nîmois sont impliqués. Il y a aussi des lieux de la ville bien connus qui participent à cet événement, notamment le spot. Anna nous y attend. Je vous propose d'aller la retrouver. Allons-y. Voici au spot le tiers-lieu du quartier Gambetta qui est changé durant 3 mois en maison de la contemporaine. Oui, tout à fait. Donc on a voulu proposer des maisons pour la contemporaine qui sont des espaces de convivialité, de partage, de rencontres, aussi des espaces de repos dans le parcours de l'exposition. Et l'idée, c'était d'inviter avec ces acteurs artistiques nîmois des artistes ou des collectifs
en résidence pour mener des projets artistiques participatifs. Donc en tout, on a 3 maisons, la maison du Spot avec Green Résistance, la maison de l'Hôtel Dieu avec Nîmes Illustre et Jonathan Bréchignac, et puis la maison de Carré d'Art avec le collectif Monstera. Ici, on se trouve dans la maison du Spot avec Green Résistance où on a invité ce collectif à mener un projet artistique participatif autour de la végétalisation du quartier de Gambetta. Donc, ils ont mené des ateliers de création avec les habitants pour les accompagner dans la végétalisation de leur façade et des ateliers de création plus largement autour de la végétalisation. Plusieurs acteurs culturels de Nîmes ont aussi été invités à présenter une programmation. Oui, on a invité 12 acteurs culturels nîmois à donner leur propre interprétation de la thématique Une nouvelle jeunesse autour d'une programmation. Il peut y avoir des expositions, c'est le cas avec le CACN, NECPOS ou le lycée Alphonse Daudet. Un festival avec l'école d'art Lesban qui a proposé toute une programmation pour le week-end d'ouverture. Ou encore, c'est le cas avec le cinéma Le Sémaphore qui propose le ciné-club de la contemporaine avec plusieurs projections de films liées au sujet de l'adolescence. Anna Kémis, merci beaucoup pour cette visite guidée. Merci Mathieu. La Contemporaine de Nîmes court jusqu'au 23 juin. Vous pouvez retrouver le programme complet de l'événement sur le site contemporainedenimes.com. Les vidéos de notre série Suivez le Guide, elles sont à voir et à revoir sur la chaîne YouTube de la ville de Nîmes.